Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et on se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog. Donc je vous emmène avec moi pendant une semaine, je reviens un petit peu chaque jour pour vous montrer les différents encours tricot que j'ai sur mes aiguilles. En ce moment, comme j'en ai pas mal, je reviens pas tous les jours sur les mêmes ouvrages. Vous pouvez me suivre également sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire Le Demoiselle, et tout ce dont je peux parler se retrouve en lien en dessous de la vidéo et vers mes fiches Ravelry qui sont globalement bien mises à jour. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Ce matin je portais mon pull Lorette, mais j'ai surestimé la journée. Il a fait tout gris, mais il a fait quand même bon et au midi j'en pouvais plus, donc bon, bah, j'ai mis un t-shirt, pas de tricot. Ça va être quand même de... J'ai pas énormément de top, donc c'est vrai que ça va être moins récurrent les tricots portés, mais en ce moment. Dans l'intro, vous avez pu voir, j'ai abîmé mon pull Paris-Brest ce week-end, je me suis accrochée dans une poignée. J'ai maudit la poignée, mais il était pour rien cette porte, cette poignée, c'est moi. J'ai voulu aller trop vite, je me suis voulu à moi-même. Enfin, on avait le temps, pourtant il y avait... Donc j'ai accroché mon pull, j'ai entendu... J'ai eu peur surtout en fait d'avoir fait vraiment un vrai gros trou dans la manche, que la poignée ait peut-être vraiment percé le tissu, et là... Je sais pas trop ce que j'aurais fait. Mais au final, non, ça va, j'avais juste craqué le rabat de ma manche, donc vous avez pu voir, j'ai défait. J'ai défait ça, j'ai défait un tour de un rang, parce que donc mon rabat je pouvais pas le refaire, j'avais 2-3 morceaux de laine, il était tout cassé, donc j'ai bien défait tout mon rabat, j'ai jeté les petits bouts de laine qui étaient cassés, j'ai défait un rang de cotte pour avoir du fil et pour refaire un rabat, voilà. Donc j'ai une manche maintenant qui a un rang plus courte que l'autre, mais franchement personne ne le verra, au moins c'est réparé, et je l'ai fait tout de suite, je l'ai craqué, j'ai pesté, j'ai réparé, voilà, comme ça, ça traîne pas. Je pourrais le remettre si jamais vraiment il fait froid, mais ça a l'air d'être bien parti là pour alors pas avoir chaud chaud, mais plus assez froid pour mettre des pulls, j'ai l'impression. Donc voilà pour ce que vous avez pu voir avant, je sais plus. Ah oui, bah après on va parler chaussettes. Puisque les garçons n'étaient pas là ce week-end, j'ai pour objectif de leur offrir des chaussettes au niveau de Noël. Alors peut-être plutôt en décembre, début décembre, parce que c'est là où ils vont en avoir besoin. Sauf si je suis en retard, ils l'auront qu'à Noël. Et leur objectif, donc, c'est de leur offrir 3 paires de chaussettes chacun, sans qu'ils le sachent. Donc j'ai commencé par Axel, mon plus grand, parce que je pense qu'il va moins grandir. Voilà, sa croissance risque d'être moins forte que Noah. J'anticipe quand même la croissance, j'ai fait une pointure au-dessus, une au-dessus de ce qu'il fait. Et donc j'ai déjà fait une paire de chaussettes, je ne me souviens plus. Celles de José Paquin, les Monday Sock. Ah ouais, elles sont belles. En plus c'est ça, c'est horrible, c'est que je suis contente de ce que je fais et je peux pas leur donner, enfin bref. Et donc c'était aux vacances je crois la dernière fois, en avril, il me semble, les vacances de Pâques, j'ai réalisé une première chaussette, donc ce sont les Socket Rocket de Noémie Gelly, You Need To Learn. J'avais fait cette première chaussette, je trouve toujours ça aussi ridicule de faire une soquette de cette longueur là pour avoir cette tige, c'est... Mais voilà, sur son pied ça ira bien. Je m'étais dit j'allais faire des soquettes pour avoir moins de tiges à faire. Et ce week-end ils n'étaient pas là, donc l'objectif était de faire la deuxième chaussette. Elle est bien avancée, mais elle n'est pas terminée. C'est une chaussette qui se commence ici par cette languette. C'est vraiment rigolo à faire, c'est intéressant. C'est assez élastique à ce niveau-là, je suis contente. Je pense que ça ira bien. On a un petit talon renforcé au point mousse qui est sympathique. Et on a des côtes 1-1 semi-torse sur le dessus. Et ça, ça prend du temps à faire. C'est long, mais je sais que ça ira super bien à son pied. Ça permet de resserrer, de bien maintenir. Donc c'est vraiment important pour lui qui a un pied fin. Très long, mais fin, pas très épais. Voilà, je sais que c'est nécessaire. Ça lui sera vraiment bien. Ça va lui aller à merveille. Mais à faire, c'est pas bon. Je tricote avec un mini de wool bags. Je vous l'avais dit dans mon premier, ma première chaussette, normalement l'arrondi là sous le talon, il se fait en contrastant. Moi je ne l'avais pas fait sur ma première parce que quand je suis arrivée à ce niveau-là, il me restait déjà plus que 9,5 grammes. Donc j'avais utilisé 10,5 grammes de mon mini. J'avais donc pas assez pour mon deuxième. Donc je m'étais stoppée avant, mais je trouve que c'est pas choquant du tout. Je trouve que ça rend vraiment bien. Et c'est effectivement pour mon deuxième...
À quoi deux rangs de la fin, vous voyez, ça se voit à peine en fait au final. À deux rangs de la fin, j'ai manqué de fil. Bon bah, c'est pas grave. En fait, j'ai manqué de fil en plein milieu d'un rang, je crois. Faut encore que je les rentre. Ah, oh, il y a trop de lumière. Voilà. Mais bon, je trouve pas ça. Je pense qu'il le verra pas du tout. Donc voilà, j'ai juste manqué de fil pour ça. Mais c'est pas bien grave. Et ensuite, c'est de la laine de mouton qui m'avait été offerte par mon amie Cécile pour mon anniversaire, le coloris Miss Caprice, si je dis pas de bêtises. Et j'aime énormément les couleurs. Oh là là. Je suis jalouse de ces chaussettes en fait. C'est tellement des chaussettes qui m'iraient tellement bien. J'aime trop. J'aime trop. Mais je sais qu'il va m'en rester, moi. Alors, pas du mini. Le mini, je l'ai plus. Il est utilisé au complet. Mais mon écheveau, il va m'en rester assez pour moi faire des chaussettes. Donc voilà. Là, j'en suis à moins de 10 rangs de la fin avant de faire la pointe. Donc l'objectif de cette semaine, discrètement quand il n'est pas là, c'est de finir. Oui, je sais pas en fait. Comment faire pour vous montrer? Hop, si je les mets comme ça, voyez, il ne me reste pas grand-chose en fait à faire. Et elle sera terminée. Donc ça, c'est l'objectif. Donc je les ai tricotés ce week-end. J'ai pas tricoté que ça parce que franchement, ça m'a... Voilà, les côtes. C'était pas passionnant. C'est super long parce que donc moyen. Là, on part sur une pointure 47-48. Voilà, hein, c'est long. C'est long. 80 rangs. 80 rangs pour faire une chaussette, quoi. Entre le talon et la pointe. Enfin bref. Il est très grand aussi en hauteur. Il a les pieds qui vont avec sa taille. Donc j'ai tricoté ça ce week-end notamment et j'ai tricoté sur le test que je réalise pour Nadia pour NCNIT. Je teste le Sambucotti, un t-shirt qui sortira courant juillet. Alors d'ailleurs j'ai rigolé parce que ma tricopine Dorothée, elle mettait dans mes commentaires que je refaisais un... Que je refaisais, que je retricotais des modèles que j'avais déjà tricotés, alors que c'est quand même pas quelque chose que je fais souvent. J'aime rarement faire deux fois le modèle, mais des fois ça m'arrive, et en ce moment ça va m'arriver beaucoup parce que, bon, beaucoup. Je suis en train de refaire un châle que j'ai déjà fait, je vais refaire un gilet que j'ai déjà fait. Donc ça la faisait rire. Et deuxième chose, c'est que pour ce modèle-là, j'alterne mes écheveaux, chose que je n'avais jamais fait avant. Alors si je l'avais fait quand. J'avais tricoté tout un écheveau, je me rendais compte que celui d'après, ça faisait vraiment une grosse démarcation. Donc je détricotais, j'alternais un petit peu pour histoire d'atténuer les choses. Mais faire un ouvrage complet, tout alterné, je ne l'ai jamais fait. Sauf là, pour ce t-shirt. Si vous suivez mes blogs, vous savez que j'ai eu beaucoup de péripéties avec des écheveaux. Et donc en ce moment, ben, j'alterne mes écheveaux. C'est un peu barbant aussi. Voilà, quand, par exemple, hier, quand je l'ai repris. Et je l'ai sorti, je me suis dit, ah oui, il y a deux pelotes, je vais. Mais bon, je pense que voilà, au résultat, je serai contente parce qu'il n'y a aucune démarcation, ça rend super bien. Et voilà, c'est le principal. Donc le Sambuco de Nadia, qui se caractérise donc avec un corps en jersey et des manches super jolies avec cette dentelle. Donc j'ai bien avancé, hein, depuis que je vous l'ai montré, j'en étais là, j'ai fait tout ça quand même. Quand même, pas mal. J'ai bien avancé, je suis. Plus, je suis plus proche de la séparation des manches qu'avant, c'est sûr. Voilà, j'ai plus énormément à faire avant de séparer les manches. J'ai encore quand même pas mal de rangs, une bonne dizaine, je pense. Mais l'objectif de cette semaine, c'est donc de terminer tout le yoke et de séparer les manches du corps. Voilà. Et j'alterne donc mes deux laines. C'est la Lighting de l'Angoisse qui m'avait été offerte par une abonnée très gentiment à mon anniversaire. Et comme c'est l'une des marques avec lesquelles j'ai eu des déboires il n'y a pas longtemps. Dans le doute, j'ai préféré alterner mes écheveaux. Donc, j'ai commencé par faire l'encolure et les rangs raccourcis avec celui-ci, puis j'ai intégré le deuxième. Voilà, et donc chaque rang, j'alterne l'un et l'autre. Alors, je crois que je vais faire tout le yoke, je vais séparer les manches. Le premier écheveau, je vais le laisser de côté pour le reprendre dans les manches. Ça me paraît peut-être judicieux. Et dans le reste du corps, je vais continuer avec le deuxième et le troisième. Je pense que ça doit être pas mal. Parce que je me dis que si aux manches, d'un coup, je passe au 2 et 3 et qu'il y a un souci, peut-être? Bah non, je sais pas. Bon, je sais pas si je fais ça ou si je poursuis tout le corps. Il me restera forcément du deuxième quand j'arriverai aux manches. J'atteindrai le 2 et le 3. Parce que si j'en laisse du 1 pour les manches, mais qu'à la fin il me reste plein de laine, je vais avoir plein de restes différents. Je sais pas.
J'ai regardé un peu sur internet hein, et normalement c'est ce qu'il faut faire, faut laisser un peu de son 1 dans les manches pour continuer à alterner. Mais je suis pas sûre de faire ça en fait. Bon, je verrai. Je verrai bien. Mais pour l'instant, j'ai pas vu de grosse différence entre mes échevaux. Ça m'a pas. Il n'y a rien qui a été choquant. Donc en fait, bon bah voilà. Donc le sambuco que je tricote petit à petit. Bon bah ça se fait bien, hein, je change mes. Alors j'ai eu du mal avec le. Alterner les fils. Au départ, ça se voyait là. Alors je sais pas si vous. Je pense que si vous allez le voir. Là, c'était pas très propre. Quand j'alternais mes fils. Et j'ai fait des recherches sur internet et maintenant regardez, ça fait beaucoup plus propre. Alors j'ai suivi le tuto de EV3. Eve, elle a fait un tuto pour ça, où on passe son fil sur le devant du tricot. Et je trouve que c'est beaucoup plus propre que là. Alors là, ça va s'atténuer au lavage, hein, mais là le rendu il est quand même mieux. Et hop, si j'essaie de vous montrer à l'envers, j'ai des petits fils là qui étaient présents. Parce qu'à chaque fois, on reprend l'autre fil. Et j'en ai plus à ce niveau-là. Donc c'est quand même beaucoup mieux. J'aime beaucoup ça. Alors c'est pourtant, c'est pas. Je comprends pas pourquoi. On fait passer le fil devant. Il se croise. Quand on reprend l'autre fil, en fait, on vient le faire croiser, le premier. Et on poursuit notre rang. Ça m'épate de voir que ben, de juste de faire ça, ça évite complètement d'avoir une marque, d'avoir un fil derrière qui passe. Donc voilà. Je fais ça à chaque rang. C'est un peu chiant parce que chaque fois je rebouge mes pelotes et tout, mais au moins j'ai pas de souci de démarcation, j'ai pas de souci de ligne en plein milieu de mon dos, ça fait propre, c'est chouette. Donc je vais poursuivre comme ça. Alors croyez pas que je vais alterner maintenant tous mes échevaux de tous mes projets. Non, non. Je pense que les teinturières où j'ai jamais eu de soucis, j'alternerai pas. Je sais que j'ai des échevaux, je sais pas pourquoi. Ils me font douter un peu parce que c'est pas une couleur que j'ai eu l'habitude de tricoter. Parce que j'ai une tricopine qui avait tricoté alors des échevaux d'une autre teinturière, mais un peu dans les mêmes tons et qui avait eu un gros souci de pooling. Donc je pense que tout ça, ça joue. Et je sais que j'ai des échevaux que j'alternerai aussi. Mais sinon, non, je pense pas que je le referai à tous les projets parce que c'est un peu quand même pénible. Enfin voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer en ce début de semaine. Donc lui, il avancera un petit peu dans la semaine, je pense. Même si là, mon objectif, comme on est en début de semaine, c'est de reprendre mon Exploration Station. Et puis, bah, l'objectif aussi, c'est donc de finir la chaussette à Axel avant ce week-end. Parce que ce week-end, j'aimerais lui commencer sa dernière paire. Il y en a déjà une de faite. Celle-là, elle est sur le point d'être finie. Il m'en reste une à lui faire pour lui que j'aimerais commencer ce week-end parce qu'ils seront pas là non plus. Et puis après comme ça je pourrais attaquer celle de Noah. Ça me paraît très bien. Alors, on se retrouve. Aujourd'hui, je porte le top Emma. J'ai toujours un doute entre Emma et Sacha parce que ce sont donc deux tops de Marguerite que j'ai tricotés l'un après l'autre à la suite. Et en fait, c'est ça que je retiens jamais. Mais si j'ai vérifié avant et si je ne me trompe pas, celui-là, c'est Emma. Donc, c'est un top, voilà, tout en jersey avec par contre ces jolis détails de dentelle là sur les épaules. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Je l'ai tricoté avec de la laine que j'ai teint moi-même à l'avocat. J'avais acheté deux échevaux de laine single sur Lily Neige. Et j'avais teint moi-même à l'avocat et je m'étais fait ce petit haut. Voilà, je suis contente, je l'aime bien. J'aime beaucoup ce détail au niveau des manches. Voilà pour ce que je portais aujourd'hui. Et ma teinture, elle vieillit bien tout ça, elle a bien tenu. Je crois que j'avais pris avocat parce qu'il faut pas mordancer la laine. Et que c'était simple, simple à faire et que ça fonctionnait bien, ça réussissait bien. Puis bon bah voilà, l'avocat il suffisait d'en manger quelques-uns, de les garder l'épaule, les noyaux, j'avais tout gardé je crois. Et puis comme ça je m'étais fait ma teinture. Aujourd'hui je vais vous parler du châle
Exploration Station de Steven West. Alors c'est un modèle que j'avais déjà tricoté une première fois en 2016, mais que, ben voilà, j'étais pas au point sur ma tension, sur le choix de laine et tout, c'était pas... J'ai pas été... Si, je l'avais porté à l'époque, mais je suis pas satisfaite de l'ouvrage terminé. Donc je le refais maintenant avec, ben... encore plus d'années d'expérience, puis en connaissant quand même beaucoup mieux ma manière de tricoter, connaissant mieux les laines et tout, et donc c'est un vrai vrai plaisir de refaire ce modèle, et voilà où j'en suis. Alors je tricote avec les laines de Bulle Bizarre, il y a un kit de pack et bon, c'est tout des coloris de pack, voilà. Hop. Donc je vous avais quitté la semaine dernière, j'avais fini la brioche. Je vous avais dit en fait que je compte avancer dessus section par section. Et donc là je suis en train de faire la section suivante, qui est celle-ci. Donc on tricote entre deux, avec deux couleurs. Donc j'ai Choco Moelleux et Bougainvilliers. Et c'est une histoire de mailles glissées, de côtes. C'est un peu long à tricoter parce que bah, voilà, les rangs ça grandissent. Non, tout ça, je crois que j'ai qu'un seul rang qui se tricote avec que des mailles en droit où on n'a pas trop à réfléchir. Après, à chaque fois, il faut faire bien attention. Mais le rendu, il est vraiment sympa. J'aime bien. Donc là, j'ai déjà fait 3 répétitions. Oh, 4. 4 répétitions du rang violet. J'ai 6 rangs violets à faire au total, en fait. Donc voilà, ça avance bien. Hein, ça se fait bien. C'est vraiment pas compliqué. Alors, pour un premier châle de Steven West, franchement, il est simple. Par rapport à d'autres MKL, je trouve que celui-là est vraiment simple. Il a une construction assez... Alors, c'est une sorte de rang raccourci, mais vraiment, vraiment très simple à faire. Il se construit, voilà, en demi-lune. C'est pas des points compliqués, c'est pas des techniques vraiment particulières. Il se fait vraiment bien, il est disponible en français. Donc, franchement, pour un premier MKL que vous voudriez faire les anciens MKL de Steven West, celui-là est vraiment très abordable, je trouve. Donc l'objectif cette semaine, c'est de terminer cette section-là, et une fois que lui sera fini, je reprendrai mon gilet Elton, comme la semaine dernière, histoire d'avancer un petit peu tous les deux. Voilà. Ça me paraît bien de faire comme ça tout avance un peu. Ou alors à moins que je termine, je fais que lui et je termine mon gilet Elton après. Faut que j'ai un peu de mal à le lâcher, j'aime bien le tricoter. Et je trouve que comme ça avance vite, on est mardi, il y a peut-être possibilité que je le termine aujourd'hui, ma section, quoique. Peut-être que demain. Bon, ouais, non, je vais rester dans mon idée. Je termine ça, puis je ferai mon Elton. Voilà, donc que je tricote avec les laines de Bulle Bizarre. Je vous ai dit deux coloris. Celui-là, c'est délice de... Non, c'est chiant. Décidément, j'en veux avec mon délice. C'est chasse aux œufs. Et le petit jaune qu'il y a entre chaque section, c'est mon poussin. Et lui, ça sera la bordure finale. Il reviendra beaucoup à la fin. Il sera mis en valeur à la fin du châle. J'aime beaucoup. Et là, c'est la dernière section où je tricote Bougainvilliers. Donc, il me reste plus que 4 rangs, je crois, à faire. Que j'aurai pas mal de raies. Je pourrais me faire des chaussettes assorties à mon châle. Ça va être sympa. Bon, on n'y est pas encore. Donc voilà, pour mon Exploration Station, je vous remontre dans la semaine quand j'aurai fini cette section-là. L'autre en cours sur mes aiguilles, c'est le... Lace and Fade Boxy de Rory Locatelli que je tricote en duo avec Alice is Knitting. Je vous avais montré la semaine dernière mon début. Hop. Alors je vous avais dit, j'avais tricoté d'abord du rose, mon échantillon était bleu. Je vous avais laissé un peu le suspense de savoir ce que j'ai utilisé comme couleur. Donc alors j'ai pas lu encore tous vos commentaires, mais je sais qu'il y a une personne qui a trouvé la couleur qui vient juste après. Il y a quelqu'un qui a trouvé la couleur qui viendra un peu plus tard dans le pull. Il y a quelqu'un qui a trouvé l'idée que j'avais complètement pour l'ensemble du projet. Donc c'était chouette, c'est chouette de voir vos... Non, il y a deux personnes pour une couleur qui arrive après. Ouais, bah, voilà, vous avez quand même trouvé dans l'esprit dans lequel je veux le tricoter et j'ai vu au moins sur une personne qui a vraiment l'idée que j'ai eue en choisissant mes laines pour ce modèle-là. Alors je vous avais quitté, j'avais tricoté les demi devant, le dos, le haut du dos, la première bande de dentelle et depuis j'ai avancé, donc j'ai inséré la deuxième couleur qui est ce parme lila. On m'a proposé lila, ben voilà. Ici, donc toujours là je tricote en knitting foire olive leur mérino et là c'est du lace de Langyarn tenu en double pour qu'il y ait assez d'épaisseur et ça rend vraiment très bien. Et j'ai donc depuis, hop, j'ai fait ça et j'ai également fait les devants, chaque devant. Voilà, regarde, ça c'est facile pour faire une vignette. Je pense à toi MJ.
Donc voilà, j'ai avancé sur le devant, j'ai fait chaque demi-devant, on creuse l'encolure. Là, ça se voit pas bien, mais le dos c'est droit et donc c'est creusé pour l'encolure. Là, j'en suis arrivée au point de faire la dentelle, la bande de dentelle. Alors, il me reste à faire la bande de dentelle, à faire au tendron et je rejoins tout en rond. Alors, je vous rappelle, hein, je suis la taille, je sais plus, 4 en largeur, mais je dois suivre la taille, je crois, 6 ou 7 en hauteur, parce que sinon, mes bras, ils étaient censés passer là-dedans. Moi, ils passeraient pas là-dedans, donc j'ai ajouté ça. Et ça va être vraiment très large. Hop! Donc voilà. Si je le regarde, ça va faire des petites manches à faire, ça va être bien. Voilà le rendu. Donc voilà, l'objectif de cette semaine, bah, ce serait qu'il soit rejoint en rond, parce qu'après, comme ça, bah, la partie la plus technique, la plus compliquée, elle sera passée, et puis ça sera plus que du jersey endroit. Ça sera chouette parce qu'il y a pas mal de mailles sur mes aiguilles. Voilà pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je porte le top Hemsworth. Je sais pas dire. J'ai écouté sur Google Traduction pour avoir une écoute, mais je suis pas douée. Et c'est sûr que plusieurs d'entre vous me l'avaient dit. C'est le nom d'un village dans une région anglaise. Donc ça me fait quand même penser à tous mes un peu mes cosy mystery que je lis. D'ailleurs, je suis pas. Je vous en avais parlé un peu du Agatha Raisin. J'avais beaucoup de retours de votre part. On était du même avis. Depuis, j'ai lu plusieurs livres et je suis même pas revenue. Je viendrai vous en reparler rapidement. D'ailleurs, sur Instagram, maintenant, je vais essayer parce que j'avais eu régulièrement des gens qui me demandaient si je pouvais partager davantage sur mon métier. Alors, je vais pas le faire sur YouTube. Je vais pas prendre le temps de filmer vraiment des séquences, des rushs pour essayer de monter quelque chose. Mais sur Instagram, c'est quand même plus facile, voilà, de filmer quelques secondes en cadrant sans avoir le visage des enfants, c'est quand même beaucoup plus simple. Et j'ai commencé un petit peu, j'ai eu énormément de retours. C'est vrai que je pense que c'est logique, j'en ai parlé avec Lolita. Quand on est parent, on découvre plein de choses et forcément, c'est pas inné en fait, les activités et tout ça. Moi, bon, maintenant, ça fait plus de 10 ans que je suis dans le métier, je me suis formée, je me forme toujours. Je suis énormément de contenu sur ce sujet-là. Je vais à des formations régulièrement, 3 à 4 par an pour continuer à progresser et tout. Je me renseigne énormément. Donc, c'est vrai que maintenant, moi, j'ai beaucoup d'idées, j'ai une bonne culture à ce niveau-là et donc je vais vous partager davantage sur Instagram bah, si ça peut vous donner des idées, des. Voilà, pour vos enfants, vos petits-enfants, vos neveux, vos nièces, voilà, tous les enfants qui vous entourent. Vu le retour que j'ai pu déjà avoir, je vais continuer. Et je reviendrai, je pense, la semaine prochaine, vous parler d'un livre, des derniers livres que j'ai lus. Parce qu'il y en a certains, c'est vraiment des gros coups de cœur et tout. Donc, bref, je reviendrai, mais pas cette semaine, je reviendrai la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, je porte mon top. Alors, ce fameux top que j'ai tricoté pour mon homme qui lui porte au-dessus d'une chemise. Et moi, j'ai écouté mon amie Apolline qui m'a dit, bah, pourquoi tu le portes pas comme un débardeur? Parce que je me vois pas trop le porter toujours au-dessus de quelque chose. Donc, chose que j'ai faite aujourd'hui. Mais en fait, c'est un peu trop échancré à ce niveau-là. Donc, j'ai mis une chemise par-dessus moi. voilà, comment je le porte aujourd'hui. Bon, là, au midi, en début d'après-midi, j'ai eu chaud avec ma. En plus, c'est une chemise en flanelle. Donc, voilà, j'ai eu chaud. Ouais, sinon c'est sympa. C'est sympa. Donc, c'est un modèle Isabelle Kremer que j'ai tricoté en laine de mousse. Pareil, je suis pas revenue en vidéo focus sur mes derniers ouvrages parce que j'ai pas eu le temps de les tourner. Je pense que dans les semaines à venir, ça va revenir aussi. Ça viendra petit à petit. Et je vous reparlerai donc en détail de ce modèle-là que j'ai déjà donc tricoté deux fois. Une fois pour mon homme et une fois pour moi. Alors, dans ce joli sac à projet qu'il m'avait offert par Danila, qui est donc derrière la marque Magicilène, elle m'avait très gentiment offert ce sac avec des chats qu'elle avait cousu elle-même. Elle m'avait également offert un écheveau de laine qu'elle avait teint elle-même et j'avais fait mon rock-itty dedans. Et donc dedans, j'ai mes chaussettes. Et si je reviens aujourd'hui, c'est pour. Ah!
C'est pour... Alors, si je reviens donc avec, c'est parce que j'ai terminé. Voilà, voilà. J'ai terminé la deuxième paire de chaussettes. Hop. Elles sont toutes les deux faites. Je vais pouvoir attaquer la troisième paire ce week-end. Donc bon, bah, j'ai fait tout pareil, hein, j'ai fait le même nombre de rangs que sur la première, voilà, une pointe classique, un grafting, ça... Alors, je me sers toujours de mon affiche, quoique moi maintenant, mais j'aime bien me revoir sur l'affiche d'Apollonie, l'art du tricot, il y a le grafting, comment le faire, je crois que bon, je commence à le savoir, mais dans le doute, je revérifie quand même toujours avant pour être sûre. Mais voilà, elles sont terminées, je suis vraiment contente, aussi bien de la laine que du patron, c'était un chouette projet, et je... Je pense que je m'en ferai une paire également, même si c'est des côtes torse. C'est pas ce qu'il y a le plus fun à tricoter, mais je pense que ça pourrait être sympa et je m'en ferai une paire. Donc voilà, un projet terminé, je suis contente. Et je viens donc vous parler d'un autre ouvrage que j'ai pas encore venu vous montrer de la semaine, parce que j'ai pas encore tricoté dessus, et mais d'ici la fin... Oh, j'ai pas beaucoup avancé. Je pense que voilà, d'ici la fin du vlog, je vais le reprendre avant... Hop, il s'agit de mon gilet Elton que je tricote donc après avoir fait avoir fini ma section du Steven West. Bah, je reprends mon gilet Elton. Voilà, alors depuis la semaine dernière, bah, en fait j'ai pas avancé beaucoup dessus. J'aurais cru avoir fait plus. Ah bah en fait depuis vendredi que je vous l'ai montré, moi j'ai fait que deux rayures. Bon, je suis pas rendue hein, quand même à cette allure-là, il va falloir que je m'active un petit peu. Bah là, bah, y a plus... là, il n'y a plus rien de spécial à faire, il faut juste dérouler le corps. Vraiment, vraiment grand quand même. Il suffit de dérouler le corps tranquillement. Alors je sais plus, je suis sur mes deuxièmes pelotes de fingering et de mohair. Et j'avais dit que je mettrais trois pelotes de chaque dans le corps. Donc j'ai encore de la marge. Là, il n'y a vraiment plus qu'à faire ben, du jersey en aller-retour, en alternant. Par contre, le rendu, il est vraiment très très beau. J'aime beaucoup. C'est tout léger, c'est tout doux. Le mohair, il est tout fluffy. Ah, c'est vraiment très agréable. Donc ben ça, j'ai plus qu'à... Je vais le reprendre là. D'ici ce soir, il sera repris sur mes aiguilles. Et je vais l'avancer. Au final, un peu la même construction que le Lace and Fade Boxy. C'est pas... Il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Après si, hein, tout est dans le fait que ben là, ce sont que des rayures de jersey. Elles sont plus rapprochées. De l'autre côté, on a de la dentelle. Hein. Je dis pas, c'est pas les mêmes modèles. Mais dans la construction, c'est la même chose. Mais ouais, non, ça va être vraiment beau quand ça sera terminé. Donc voilà, l'objectif, bah, ça va être de le reprendre. Ah, j'ai perdu mon embout. Et le chat, il l'a trouvé. Attends, laisse, je vais le reprendre. Voilà, je vais finir ma section. Il me reste pas grand-chose à faire pour finir mon Exploration Station, la section que je voulais faire cette semaine. Et comme ça, je vais reprendre ça. Bon, je suis contente de le reprendre parce que c'est vrai que à porter, il va être vraiment très très agréable. Et il faut que j'aille farfouiller dans mon stage de laine pour trouver un peu ce qu'il me faut pour ma prochaine paire de chaussettes. Je vous montrerai. Donc on est quand mercredi. Oh, il reste encore 2 jours. Donc je vous montrerai ça demain ou après-demain. Aujourd'hui, je porte le top Sacha, donc un top de Marianne Munier. Je vous avais dit, j'ai porté le Emma hier, avant-hier. Je sais plus.
J'avais tricoté le Emma, puis j'avais tricoté le Sacha, le voici. Alors c'est un top qui se caractérise avec cette encolure V devant. C'est avec des manches raglan. Il a une jolie bande là de point mousse, je crois, ou de maillon vert sur le milieu, j'aime beaucoup. Et sa particularité, c'est son dos. Le dos en V, alors qui est fort profond, qui est bien, bien bas. Peut-être un peu trop bas, je pense que vous avez vu, on voit les agrafes de mon soutien-gorge. Mais ma foi, je l'aime quand même pas mal. Je l'avais tricoté en ce Woolly Skin, je sais plus du tout le coloris. Mais la laine est super douce, très agréable. Je me dis, il faudrait vraiment que je retricote des laines de cette teinturière, parce que j'avais quand même bien aimé. J'aime beaucoup son travail. Donc voilà, le top. Alors, c'est vrai que son dos fort ouvert fait que je vais réfléchir à deux fois quand je vais le mettre. Voilà, là, c'était une journée où j'étais à la maison, où j'allais pas en atelier au relais avec avec mes collègues de travail. Donc, c'était pas un problème. Voilà, je suis à la maison, mes petits, ils n'en ont rien à faire de ce qu'ils voient dans mon dos. De toute façon, ils me voient rarement de dos. Donc, voilà, je vais pas sortir, il y a personne qui va venir à la maison. C'est bon. Mais c'est vrai que si je dois sortir, si on doit aller manger quelque part, ou si justement je vais aller avec des collègues de travail, tout ça, je vais éviter de mettre celui-là parce qu'il est trop trop ouvert. Finalement, j'aurais dû faire... je sais plus comment il était fait, je sais plus si c'était une question de hauteur. Enfin voilà, pour ce que je portais. Vous avez pu voir avant, donc comme j'ai fini ma paire de chaussettes hier, donc la paire de chaussettes de socket pour Axel, je vais en commencer une autre. Et je suis allée un peu farfouiller dans mes laines. Alors dans une boîte, j'ai mis... Pourquoi j'ai perdu une pelote là? Dans une boîte, j'ai mis tous mes restes de Ghibli, du club Ghibli de Arco Irisian de l'an dernier. Et donc j'ai ressorti celui-là de coloris. Et là, d'un coup, j'ai un doute. Je crois que ça doit être Mononoke. Ah non, peut-être pas. Ah, je sais plus. J'ai été vérifiée, pas du tout. Je me disais bien que c'était pas Mononoke. C'est le coloris Sen. Voilà, j'aime beaucoup ce noir avec ce jaune fluo. J'ai ressorti, alors c'est un reste de Lana Grossa que j'avais utilisé. J'avais remis, c'était une pelote, mais je l'avais remis en cake, j'ai laissé l'étiquette à l'intérieur. Donc c'est du blanc et j'ai cherché dans mon... Alors j'ai mis tous mes midis dans un sac. Alors c'est un sac de By Night, il est super grand, il est vraiment pratique. Et j'ai mis tous mes mini dedans et j'ai trouvé ces deux-là qui iront très bien avec. Alors là, ce sont deux mini de teinture lurée, ils n'ont pas de nom, je peux pas vous dire. Je les avais eu dans un kit, vous ne pouvez pas les retrouver comme ça sur son site. Voilà, ça ira parfaitement bien avec un peu de blanc. Vous voyez ce que je vais faire, des chaussettes, des color palettes, soc. J'avais beaucoup aimé tricoter ma paire, je pense que ça sera vraiment sympa de tricoter la paire à Axel comme ça. Donc c'est ce que je vais commencer bientôt. Ça va être chouette, ça va être que du jersey endroit. J'ai décidé de faire des... Alors il y a des rayures blanches avec des côtes 1-1 semi-torse. Je vais faire juste des côtes, les bandes en jersey endroit, pas de côtes du tout. Et après toutes les côtes torse que je viens de faire sur les autres chaussettes, ça va faire du bien d'avoir une chaussette toute en jersey. Puis ouais, ça va être vraiment sympa. Ça va, je pense, beaucoup lui plaire, cette paire-là. Donc c'est parti pour les prochaines chaussettes que je vais monter, ça sera ça. Ce week-end ils sont pas là, un week-end de 3 jours, je devrais réussir à bien avancer dessus j'espère. Après voilà, il n'y a pas d'urgence, si j'avance pas dessus je les avancerai un peu plus tard. Et aujourd'hui je vais vous montrer la dernière section que j'ai tricotée sur mon Exploration Station. Je l'ai terminée. Et voilà. Donc une section de mailles... endroit de maille en vert, maille glissée, ça donne un peu de texture, c'est sympa, le rendu j'aime beaucoup. C'était vraiment très simple, c'était 4 ans qu'on répétait toujours les mêmes. Voilà, vraiment pas compliqué, très agréable. Alors je me souviens quand j'étais là, je me suis dit, tiens, j'ai coupé mes deux couleurs alors que mon violet on le retrouve là. Donc effectivement dans le patron il était bien dit de couper les deux couleurs. Là, idem, il me dit de couper mes deux couleurs. Sauf que le marron, le moelleux choco donc de Bulle Bizarre, je vais le réutiliser dans la section suivante. Donc cette fois-ci, je ne l'ai pas coupé, parce que bah, ça fait quand même des fils en moins à rentrer. Donc je ne l'ai pas coupé. Je regrette de ne pas y avoir pensé avant, mais parce que j'ai encore un fil à rentrer. Mais bon, c'est pas grave, c'est tout. On rentre les fils et puis ça prend pas longtemps, mais donc c'est pas quelque chose de très passionnant. On a toujours la même section... moi j'ai fait donc en mon poussin, le coloris mon poussin, entre chaque, toujours la même ligne avec ses jetés.
entre chaque section. Et donc là, j'arrive sur la dernière section qui est des rayures. Et ensuite, j'attaquerai la bordure. Donc ça, je l'ai terminé. Donc j'ai repris mon Elton. Je vous montrerai demain, pour la fin de ce vlog, où j'en suis arrivée sur mon Elton. Mais voilà, bah, il grandit. Oh, c'est beau, j'aime beaucoup. Mon câble n'est plus assez grand pour vous le montrer en entier. Mais vous voyez, ouais, il a déjà une belle amplitude, ça va être bien. Je suis vraiment contente. Aussi bien des laines, puis du modèle, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce patron-là. Voilà, donc ouais, plus que deux sections. Donc dans 2 semaines, il sera terminé. Et là, donc la prochaine section, je vous ai dit, c'est des rayures. Et je vais alterner, donc bah, c'est les deux dernières fois que je vais tricoter ces deux couleurs-là. Donc moelleux choco et chasse aux œufs. Ça fera des rayures de ces deux couleurs-là. Alors, c'est pas des rayures classiques, c'est pas genre on fait un rang d'un coup. Bon, je sais plus. J'ai vu qu'on glissait ces mailles. C'est un peu quand même. C'est des rayures, mais un petit peu différentes. Hein, un petit twist à la Stephen West, donc ça va être sympa. Voilà pour aujourd'hui. Donc, on se retrouvera demain pour la fin du vlog. Je vous montrerai mon Elton. Bah, lui, je vous le remontrerai plus, il n'y a plus besoin. Parce qu'il n'aura pas avancé. Si jamais j'ai monté mes chaussettes, peut-être les chaussettes. Et sinon, bah, mon autre projet de. Bah, les deux projets de Rory Locatelli, le Elton et le Lace and Fade de Boxy. Ah, et puis mon test aussi. Ouais, j'ai bien avancé dessus aussi. Faudra que je vous montre. On se retrouve donc demain. On se retrouve pour la fin de ce vlog. Aujourd'hui, je porte mon Rockity. Un modèle de Tanis Lavallée avec cette jolie. J'aime bien. Un grand col V. Et c'est une alternance de rayures de fingering que j'avais tricoté. Donc c'est la Magicilène. Et des rayures de mohair et soie. Ici, c'est Paul Laine que j'avais acheté au Laine en or l'an dernier. Voilà pour ce que je porte le Rockity. Et je aimerais bien m'en refaire un. D'ailleurs, j'ai vu là sur Instagram. Oh, je suis un peu en retard. Hein, ça fait apparemment déjà 2-3 jours que c'était mis. Mais. Céline de See You Later, notre fameuse Madame Bibiche nationale, elle lance un cal au 1er juin pour tricoter le Rockity. Alors je me dis pas pourquoi pas, parce que peut-être que je vais suivre le cal, pas sûr, ça dépend vraiment. Il faudrait que je mette un petit coup de turbo sur mes encours pour en terminer quelques-uns. Mais peut-être, parce que j'ai de quoi le faire, et c'est vrai que ben quand on se motive à plusieurs, on se motive et puis on fait. Mais bon, je verrai bien, rien n'est sûr, mais pourquoi pas, et puis vous, si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Moi, j'avais fait la taille 44 pouces, et il était passé dans un écheveau de fingering, un écheveau de mohair, donc c'est ça que j'aime beaucoup avec ce modèle-là. Ensuite, je vais vous montrer deux petits anneaux marqueurs que j'ai reçus, hop là, de chez Apollonie, et ceux-là m'ont été très gentiment offerts par Julie, car elle m'a proposé d'être ambassadrice pour sa marque, chose que j'ai acceptée. Donc elle va m'envoyer chaque mois les anneaux marqueurs de sa collection Fleurs, afin que je vous en parle. Donc c'est un abonnement mensuel, vous pouvez vous abonner de manière mensuelle et recevoir les fleurs chaque mois de manière surprise, mais vous ne savez pas ce que vous allez avoir. Ou sinon, si vous préférez savoir avant, les précédents mois sont disponibles. Et là, par exemple, bah, ce sont des jolies fleurs de lilas. Et il me semble qu'à partir du 31 mai, elles seront disponibles sur sa boutique. Donc il y a en version anneau et en version Progress Keeper. Merci beaucoup Julie. Et avec le code LOTDEMOISELLE, vous pouvez bénéficier de 10% sur votre première commande chez Apollonie. Donc je remercie vraiment Julie de vous proposer ce code promo. Donc il est disponible jusqu'à... Alors là je vais avoir des doutes. Jusqu'à juillet il me semble. Donc par exemple si vous prenez un abonnement, ça sera valable sur le premier mois de votre abonnement. Et aussi sinon, bah, vous faites une commande classique sans abonnement. Et vous pouvez bénéficier donc de 10% de remise avec le code LOTDEMOISELLE qui s'affiche à l'écran. Voilà, voilà. Et donc, bah, chaque mois, je pourrais vous montrer un petit peu ces fleurs. Donc, comme je vous avais dit la semaine dernière, moi, j'avais acheté les pelotes avec les phases de la lune. Ce sont des anneaux marqueurs qui ont été imaginés, créés, dessinés par Julie, qu'elle fait fabriquer en Europe et qu'elle monte après chez elle à son atelier à Lyon. Alors, je vais être honnête avec vous, j'aurais pu être rémunérée pour cette collaboration. C'est la première fois qu'on me proposait d'être rémunérée pour faire ça. Ça m'a extrêmement touchée. Ben, vraiment très généreux de la part de Julie de vous proposer et un code promotion et un mois une rémunération.
Par contre, je vais être honnête avec vous, j'ai refusé parce que je n'ai pas de statut légal pour être payée dans ce cadre-là. Donc voilà. Mais je lui avais dit que rien que déjà que vous puissiez profiter d'une promotion, ça me faisait extrêmement plaisir. Voilà. Donc vous les reverrez bientôt sur mes projets. En plus, j'ai un t-shirt que j'ai hâte de monter, que je vais commencer bientôt. Je pense, c'est pour ça qu'il faut vraiment que j'avance sur mes autres en cours. Et j'utiliserai ces marqueurs-là parce qu'ils vont aller super bien avec la laine. Je vous en reparle bientôt. Alors, donc on va faire un petit point sur les derniers en cours. J'ai d'un côté mon Elton. Hop. Que je vous montre. Alors, je vous l'avais remontré un peu plus tôt dans la semaine. Ça avance, hein, ça avance, ça avance, mine de rien. Alors, depuis que je vous l'ai remontré, j'ai fait une rayure de, trois rayures de mohair et deux rayures et demie de fingering. Donc j'ai fait tout ça, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. J'ai fait plus de la moitié du corps, je suis à peu près à 20 cm sous les emmanchures et il me faut 35 cm avant de faire les côtes, je crois. Donc ça avance bien. J'arrive bientôt à la fin de mes deuxièmes pelotes. Alors à chaque fois le mohair, j'ai l'impression qu'il m'en reste beaucoup, parce qu'il est extrêmement poilu, mais là je vois quand même que ma pelote de fingering, elle diminue et que... Bon, j'ai encore quand même pas mal de rangs à faire, hein. Mais normalement, mon mohair, il va s'arrêter avant ma fingering. Ouais, je pense... Ah ouais, non, je pense que je peux encore faire quand même pas mal de rayures avec. À voir. Je vais entamer les troisièmes pelotes sur le bas du corps, mais pas pour énorme, je pense. Je pense qu'au niveau des laines, bah, je vais être vraiment dans la bonne quantité. Et ça, c'est chouette, parce que c'est vrai qu'au départ, le mohair, je pensais vraiment pas en avoir assez. Et je pense que, franchement, je dois être pas mal. Je pense pas en manquer, et je devrais peut-être avoir un petit reste. On verra ça à la fin. Alors, je vous gâche pas que c'est un peu long, c'est toujours la même chose. Il n'y a plus le côté nouveau du projet, la découverte des laines et tout. Mais bah, il faut poursuivre. Alors là, le fait de savoir que j'ai fait plus de la moitié sous les emmanchures, ça motive quand même pas mal. Et après, en plus, ça va être un projet qui va aller vite parce qu'au niveau des manches, vu que. Alors, si je le mets bien. Hop! Ouais, les manches. Alors, si j'ai assez de laine, moi je vais faire des manches longues. Mais les manches vont aller assez vite. Je crois qu'elle fait pas des manches longues, mais moi je ferai des manches longues, hein, parce que. Ah, parce que comme ça, je pourrais en profiter plus longtemps. Voilà donc pour mon Elton de Rory Locatelli. Je l'aime beaucoup, il est vraiment très agréable. On reste avec Rory et on va parler du Lace and Fade. Ah, j'ai lu les commentaires, je suis à jour. Ah, au moment où je parle là, je suis à jour. Et vous avez été plusieurs à trouver. Il y avait des petits indices. Il y en a qui ont bien vu les indices. Alors je vais vous montrer où j'en suis. C'est compliqué de vous le montrer parce que j'ai un câble trop court. Et donc voilà ce que ça donne. Oh, c'est beau, j'aime bien. On est raccord avec le thème du jour. L'indice, eh ben, il était là. Et il était là. Je fais une version arc-en-ciel. Quand j'ai cherché mon... Alors au début j'avais regardé pour des fades, mais rien qui me plaisait chez... Puis par internet j'avais un peu de mal, il n'y avait pas de fade tout fait disponible quand j'avais cherché. Et puis le faire moi-même c'était un peu délicat. Et au final c'est pas un pull qui nécessite beaucoup de laine par rayure. Vous voyez si je vous montre. Là j'ai fini mon violet, je ne l'utiliserai plus de ma pelote, il me reste tout ça. Voilà. Donc, c'est aussi un, quand même un. Ça fait un budget beaucoup plus économique de le faire avec des pelotes qu'avec le faire des écheveaux complets. Et puis à un moment, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire une version un peu arc-en-ciel? Je savais pas trop. Et j'ai cherché sur Pinterest et j'ai tapé moodboard pastel. Et je suis tombée sur un moodboard et je vais tenter de vous mettre là à l'écran. Et j'ai adoré. Je me suis dit, ah bah je veux ça. Donc je me suis basée de cette image-là pour trouver mes pelotes. Donc je les avais achetés chez Lily comme tout, c'est de la Knitting for Olive. Ah, j'ai pas le nom des coloris. Je sais plus où aller mon étiquette de violet, mais je remettrai tout dans ma fiche Ravelry. Et donc je me suis inspirée de cette image que j'ai trouvée. Alors les couleurs ne vont pas être dans le sens d'un arc-en-ciel classique. C'est pas dans le sens d'un arc-en-ciel, c'est dans l'esprit arc-en-ciel, mais c'est pas dans le bon ordre des couleurs. Donc voilà, là j'ai fait le rose, j'ai fait ma bande de rayures de mohair. Là donc mon lilas, violet, parme,
C'est la couleur qui permet de faire la jointure entre les deux, le devant et le dos. Donc là, j'ai terminé la hauteur de ma rayure et je vais faire la prochaine rayure de bande de mohair et soie en dentelle. Voilà. Et donc après, il restera encore trois couleurs à faire. Donc là, je fais le mohair, une couleur, le mohair, une couleur, le mohair et les côtes en bas. Un peu de rayures et les côtes, je sais plus. Enfin voilà. Donc il avance. La prochaine couleur, bah, je vous la dis pas. Maintenant, je vous ai quand même dit que c'était un arc-en-ciel. Je vous ferai découvrir quand même les couleurs petit à petit. Oh, j'aime bien. Mais voyez, ouais, sur le câble, on voit que ça fait tout petit. Mais voilà. Donc par contre, les manches, elles seront roses. C'est comme ça que c'est prévu. C'est avec la première couleur qu'on utilise qu'on fait l'encolure. Et les côtes, et les manches. Donc mes manches seront roses comme le haut de mon pull. Mais bon, ça va être des manches qui vont donc englober du rose, du blanc et du violet. Voilà pour mon Less and Fade. Alors bah, c'est. Voilà, là c'est du zéro cerveau, c'est en rond. À partir du moment que tant que je suis sûre, là en fingering, bah, c'est vraiment du jersey tout droit. Bon, il faut être quand même plus vigilant dans la dentelle, le mohair, pour pas défaire le mohair, parce que c'est quand même pas drôle de défaire du mohair. Donc là, ça va être bien, ça va être une partie un peu plus fun, assez rigolote à tricoter. Et après, j'intégrerai la prochaine couleur. Et que j'ai hâte de voir. C'est vrai que ça donne envie de voir. Contrairement à mon Elton, maintenant, c'est toujours la même chose. Là, j'ai quand même envie de voir ce que ça donne petit à petit avec les couleurs que j'ai choisies. Mais vous étiez quand même plusieurs à avoir trouvé l'idée du pull arc-en-ciel. Et sur un pantalon blanc, pour là, comme là tout de suite, ça aurait été vraiment bien. Et donc, le dernier encours sur lequel je vais. Ah non, j'ai deux choses encore à vous montrer. Je viens vous reparler de mon test pour Nadia. C'est la dernière fois que je vous le montre. Hop! J'ai séparé les manches du corps. Donc là, j'ai plus qu'à dérouler le corps. Ça, c'est chouette. C'est beau. Franchement, j'aime beaucoup. C'est pas mes couleurs habituelles, mais j'aime beaucoup, beaucoup. Ah là là, j'adore. Alors, je reviens sur mes histoires de changement de fil. Eh bien, ça se voit. Vous voyez bien, là, j'ai une ligne. Oh, et là, j'en ai plus. J'ai encore changé ma méthode pour changer mes fils. Et là, je pense c'est vraiment la méthode la plus simple, mais qui, je pense, je suis pas sûre que ça fonctionne avec la dentelle. C'est pour ça que je l'ai pas fait avant. Là, je change mon fil de manière hélicoïdale. J'avais appris ça avec des sockets, un modèle de Elodie Morand, tête en l'air, donc sur Instagram, je crois, et sur YouTube, sur les aiguilles de tête en l'air sur YouTube. Alors moi c'est avec son patron que je l'avais découvert. Je sais que là j'ai revu passer le tuto il n'y a pas longtemps sur l'Instagram de Marie-Christine Lévesque. Alors vous voyez là mon changement de fil il se fait ici. Hop. Vous voyez par exemple je suis pas très loin de ma manche. Comment je vous le montrer? Où est-ce qu'il est? Là, je suis pas très loin de ma manche. Le changement de fil en fait il se décale petit à petit. Là je vais tricoter tout mon rang et hop. Et quand je vais être 3 mailles avant le fil, je vais m'arrêter là. Si vous voulez, là je vais tricoter tout mon rang avec la pelote que je tricote. Je vais m'arrêter là, je vais glisser les 3 mailles et je vais reprendre ce fil-là pour faire tout mon rang. Alors ces 3 mailles qu'on glisse, elles finissent toujours par être tricotées à un moment ou à un autre. Mais vu que ces 3 mailles que l'on glisse et qu'on tricote pas, je me suis dit dans la dentelle, là ça doit poser problème peut-être. S'il fallait faire un jeté, une diminution. Ne sachant pas, c'est pour ça que j'ai pas fait la méthode hélicoïdale. Parce que j'avais de la dentelle à ce niveau-là et que je garantis pas que ça fonctionne. J'ai toujours vu que sur du jersey en droit. Quand j'ai vu qu'il me restait plus beaucoup de rang de ma manche à faire, moi je me suis dit, j'ai arrêté de faire mon changement parce que c'est voyant, mine de rien. Non, c'est pas de ce côté-là, pour ça sert à rien que je vous le montre là. Je me dis, je retrouve pas la ligne. Alors, c'est voyant. Alors, même avec la méthode finalement de Dave. On le voit quand même, ça fait une ligne. Et en fait, le fil que l'on glisse devant, bah, il se voit sur le devant. Vous voyez, alors je sais pas, vous allez voir là. On voit, il y a un petit trait en fait. Alors moi, j'ai mis du temps avant de comprendre, mais il y a entre mes mailles, il y a un petit trait. Et c'est le fil en fait qu'on fait passer. C'est pas choquant, hein. Franchement. Voilà. Bon, j'espère quand même qu'il faut que vraiment au lavage, ça fasse des miracles. Après, avec ma touffe de cheveux. Dans le dos, ça. Puis c'est dans le dos, ça se verra pas. On n'ira pas voir. Puis je pense quand même qu'au lavage, tout va bien se lisser. Mais ouais, ça se voit un peu. Alors que là, avec la méthode hélicoïdale, quand j'en étais là, j'avais pas encore fini mes manches. Mais je savais que j'allais pas arriver à la manche
avec les rangs qui me restaient. Donc j'ai fait le choix de faire hélicoïdal, comme ça alors là on voit plus rien du tout, et ça c'est vraiment vraiment la meilleure façon pour alterner les écheveaux sur un tricot mais en jersey endroit. Alors si vous savez si on peut le faire sur de la dentelle, n'hésitez pas à me le dire si vous avez un tuto à me à conseiller ou autre, mais moi je m'y suis pas risquée là pour le coup. Donc voilà, l'objectif, je vais tricoter dans mon coin, toute seule. Les manches, c'est un t-shirt, donc il n'y aura pas énormément à faire. Et puis après, j'ai mon corps. Ouais, non, j'aime beaucoup. J'ai hâte qu'il soit fini parce que j'aime beaucoup la laine et je le trouve vraiment très joli. Donc, hop, ça, c'était pour mon test pour Nadia. Et donc, il sort courant juillet. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est mon début de chaussette. Il n'y a pas grand-chose, hein, oui. Mais au moins, allez débuter. Ça s'est tout emmêlé dans le sac. Oh là là. Voilà. Un début de chaussette avec des côtes 1-1. Torse. Je sais pas si c'est dans le patron torse, je sais plus. Mais oui, si, je crois que c'est torse. De toute façon, il y en a plein hein, tout le long. Des semi-torse. Voilà. Le petit, un petit anneau. Un petit compte-rendu de chez Mademoiselle Pluche avec mon initiale. Bon, j'ai pas fait grand-chose. J'ai fait le tubular Caston d'Andrea Mori. Ça fait un moment que j'avais pas fait. J'ai dû revoir la vidéo, le tuto pour me rappeler comment faire. Mais moi, c'est un montage que j'aime beaucoup parce que je le trouve joli. Et puis, il est très très élastique. Donc, un début de chaussette. Je vais essayer d'avancer un petit peu dessus ce week-end. Mais je pense que je vais quand même avancer beaucoup sur mes autres en cours. Histoire d'en finir... J'ai peut-être bien envie de finir quand même mon châle de Steven West. Pour pouvoir commencer autre chose. À voir. À voir, à voir. Mais voilà, les chaussettes au moins elles sont montées, comme ça si d'un coup je me dis « Ah, j'ai besoin de tricoter un truc simple, nomade », ben voilà, je prends ma chaussette, elle est montée, elle est prête à être tricotée, elle avancera à son rythme. Par contre j'ai fait des nœuds dans mes laines, je sais pas trop ce que j'ai fait. Hop. Voilà pour ce aujourd'hui, pour cette semaine. On arrive à la fin de ce vlog. Merci énormément, comme toujours, pour tous vos commentaires. Je suis toujours très touchée. J'aime beaucoup l'échange qu'on peut avoir. Donc merci infiniment à vous. Merci à tous ceux qui soutiennent la page via la plateforme Ko-fi. Et donc, en attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et surtout, un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye !